Génération Hip Hop Soul Radio Yo Yo Yo, c'est Balou, t'es branché sur le Turn Up Show, comme d'hab, accompagné du barbu, l'homme qu'on appelle DJ Titaï. Et on est avec Lyric, c'est Panda. Comment ça va, Panda yeah, Mike yeah, yeah. Ça, bon, ça va, gars, bien Au calme, on est là, ah, tranquillement. tranquillement. <rire> comme <rire> je disais, il faisait froid. <laughs> non, il fait pas froid. Là, dans, dans le studio, le... il fait bon. Dans le studio, il fait bon, ouais. voilà. Ça change un peu. <laughs> yes. Bon, on va commencer par les présentations. Pour ceux qui ne, vous connaissent, qui ne vous connaissent pas, qui veut commencer Ouais, moi, c'est Lyrics. Yes. Rappeur rappeur. Mm -hmm. Originaire de la Guadeloupe, du quartier de Bergevin. J'ai mm -hmm. 29 piges. Yes. Et puis voilà, hein. pour ceux qui me connaissent, euh, ils vont me reconnaître. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, ben, ils vont découvrir bientôt. Mm -hmm. Ouais, moi, c'est Panda Mike. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis originaire de Grand-Can, c'est Guadeloupe. Euh, pareil que j'ai 28 piges. Et être rappeur, rappeur, et on fait taf. Ok. <laughs> Moi, j'ai. Je sais pas si vous savez que je suis un peu fou. Moi, je voulu faire un petit concept avec vous. C'est-à-dire que je vous vois souvent ensemble, etc. Je vais poser des questions, par exemple, à Lyric sur Panda, c'est toi qui vas devoir répondre. Voir un peu si vous connaissez bien, etc. ah c'est peut... chaud. On peut faire ça, ah, ou pas essayer. Essayer. Et, Si tu as des questions, n'hésite pas, tu t'ailles. Vas-y. Ok. C'est quoi son rappeur préféré, son artiste préféré? S'il a un artiste là comme ça que tu devrais de citer? Préféré non, pas préféré. Celui tu l'écoute le plus alors? Là, là. Il écoute un peu de tout hein. Il est assez éclectique quand même, tu vois. C'est pas quelqu'un où tu peux dire qu'il est un artiste. Il est un peu ouvert d'esprit. C'est, il euh, y a du dossier. Ça va dans tous les styles musicaux. Je peux pas dire vraiment. Lui il pourra dire qu'est-ce que j'écoute moi, mmh. parce que moi je suis. Je suis Toi t'es fermé. Ouais moi je suis fermé moi, tu vois. Mais lui il est plutôt éclectique lui, tu vois du coup, il écoute quoi Il écoute fameux, riche de kid, <laughs> ah, yeah. Kodak. <laughs> ok, j'ai capté. Tout, est, il est les des de un peu dans, les, dans, dans le dans style, tu vois, Migos aussi, tu vois, mais dans les nouvelles, les... c'est bon, riche de kid et fameuse, on est on est dedans. Ok, ok, alors. On va commencer par toi. Son plat préféré. S'il a un plat là, tu sais que tu le ramènes, il devient ah. fou c'est langouste langouste c'est Ah, il est dans les langoustes c'est langouste brésilienne et langouste c'est ça pour lui repas haïtien ok c'est quoi le truc haïtien c'est quoi ziri djon djon ziri sauce poire c'est truc comme ça c'est bien là tu fais plaisir là tu cuisine Attends, ouais, t'es mon, ah mon gars, toi. Es c'est pour tes ombres, tu vois. Attends, t'es mon Zobra. gars, toi. C'est la, la bonne bouffe. C'est plus le lambi, les langousses, ils ouais. tombent bien, tu vois, raffinés bien. OK. C'est plus haïti. Son style de meuf. Le haf. Le ça vous laisse... Non, laissez... non, c'est pas... Je sais pas, dans, dans, euh, style un peu, style nouveau. Au, au, au visu, il est éclectique. Après, <rire> <rire> au visu, il est éclectique. Après, lui, il, il aime cool, bien, tu vois. Je sais il aime bien, tu vois. Quand c'est <laughs> coulis, quand c'est bien, tu vois. Pour les gens qui savent pas, c'est quoi coulis Ouais, coulis, c'est. Long cheveux. Plus... Long cheveux, tu vois. C'est plus du côté. C'est mi-pac-pac, mi. Tu vois, c'est euh... Mi-pac-mi. T'es bien, tu vois, euh... mi, lui. Les cheveux. Les cheveux, j'ai ça. j'aime le naturel, moi, j'aime le naturel. Tout simplement, pas tirer les cheveux. Mon gars, c'était cramé. Non, non, t'as dit ouais, ouais, non, non. Ok. Non, je vais le lâcher. Et du coup, pour toi, c'est quoi ce style de meuf Les belles meufs, mulâtresses, comme moi. Les belles petites princesses, tu vois. On appelle ça les poquantas. Ouais, poquantas, style comme ça, on va pas se voiler la face. Les belles petites princesses. Ok. Tu vois. Qui, aime, mon... les tons, <laughs> hmm ouais, qui ouais. aime les tons de toute ouais, façon ah, Qui aime les tons Pas sur les mots, Mais chacun ça. a sa notion de ton ah, voilà. Il y en a, tu euh... vas leur montrer le meuf, il va dire, les est grave fraîche. Mi-sons, mi les deux. <laughs> Croisé putain. Ah, putain Ok. Euh, le son que vous avez fait, qui préfère Le son qu'on a fait, qui préfère Ouais. Zabla, il faut Tu attestes Ouais, j'atteste. <laughs> Quel est l'inverse euh, je pense que ça doit être euh, au réveil où il y en a un qui n'est pas encore sorti, naturel. Je pense qu'à mon avis, lui, c'est plutôt celui-là qu'il préfère, à mon avis. Parce qu'on a, on a été chercher un peu la vibe. On a posé en français aussi, tu vois. Mm. On est sorti du commun un peu, c'est un autre délire. On est resté sur un thème bien précis, donc à mon avis. En hein? vrai, mm. je ne sais pas. Du coup, c'est ouais, ça. C'est ça. ça. <laughs> ça. Okay, bien, bientôt bientôt, 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 bientôt dans les, dans, dans les oreilles. Ouais. Du coup, vous connaissez bien, les gars. J'avoue, les êtes... gars, ouais. <laughs> ah, vous, vous êtes des vrais gars, en fait. <laughs> ouais, ça c'est vrai, ça. ça sûr. Des vrais gars. Ça, vous, vous êtes connus comment, en fait, vous deux Dans la rue. Par rapport à un pote à moi qui le fréquentait. Les connexions se sont faites. J'allais dans un studio où il allait aussi. On n'est pas vraiment dans le studio pour la musique, mais on fréquentait le studio pour diverses choses. Après, ouais. On s'est rencontrés, le contact, il est passé depuis. Ça fait des années. Ouais. Ça Premier... fait combien de temps que vous Ouais, Plus ah ouais. Années, ouais. Putain. Et, et depuis. Premier son êtes... 2010, on était inconnu. Et depuis, ça a matché. Et... Deuxième son 2012, on était inconnu. C'est le son 2000, 2013. De... Qui ouais, a ouais, ouais, 2013, ouais. il est sorti en 2014, le clip et tout. Zeb le premier fit qui a bien pété. Mais mm. depuis 2010, on avait déjà fait des, mm. des combinaisons. Sur ma puis il y était déjà en 2012, lyrics. En 2012. Euh, à... Enfin, bien avant quoi c'est pas l'église c'est pas en 2014 depuis 2010 même avant il, ah. il rappelle déjà tu vois mm, mm, mm. mais c'est vraiment depuis 2014 que ça a bien pris et vous sentez qu'il y a un public ici genre vers Paris en hein, métropole et tout qui, qui, qui suit vraiment le mouvement oui il y a des concerts que vous avez fait ici, des dates les gens ils s'écoutent après on n'est jamais on prend jamais on prend jamais conscience de l'impact du truc tu vois mais avec les échos qu'on a eu tu vois on a déjà fait plusieurs cités moi j'ai vécu ici à Sarcelles gare Sarcelles tu vois donc rien quand je vais à gare je vais à Sarcelles ou à Saint-Denis ou dans les trucs comme ça les gens même ils parlent pas créole ils parlent ils parlent pas picci ils ne savent pas ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'on dit au moins ils nous connaissent ils regardent les clips même si c'est le visu ils kiffent le visu même si c'est la vibe tu vois mais au moins il y a un truc qui les touche donc tu vois et je vois petit à petit que les gens, il y a un engouement quand même ouais, qui se direction. crée. C'est pour ça qu'on essaie de diversifier nos textes un peu en français pour que tout le monde puisse comprendre un peu l'univers. Mais sinon, ouais, je trouve que ouais, ça va. Le travail se fait. Ok, Laure, il y a un projet en commun qui arrive de vous deux ou c'est juste des collaborations comme il, il, a des son, il a son album bientôt. Ouais. Moi j'ai aussi une mixtape un peu presque semi-album mixtape, tu vois, je ne sais pas encore quelle couleur que je vais lui donner. Et après, par la suite, on va faire un truc en commun. Pendant, pendant même. Là, bon, vous, vous bossez tête... déjà dessus en hein, gros. C'est hein. ah, de... presque ouais, fini. Là, même. Est... <laughs> vous êtes chaud. Ouais. j'avoue <laughs> <Tous les rire> vous, chaud. Vous ne blaguez pas, vous là, êtes chaud. Ça peut sortir en même temps, comme ça peut, tu vois. Mm, mm, Mais mm. le public, lui, il veut que tout sorte en même temps. <laughs> Je te jure, il veut tout manger ouais, il veut tout manger <laughs> en même temps. Et en <laughs> ouais. fait, ouais. c'est bon. Et <laughs> et on n'est pas là pour faire un son par année. Ils veulent tous les jours. On est là pour charbonner 2, 3, y à moins 4, 5. T'as collaboré aussi avec Chebé, j'ai vu. Un morceau qui a bien pris. Comment ça passe? Comment ça s'est fait la collab avec, euh, avec Cheb? La collab, euh, c'est une, une vraie collab. On s'est rencontré euh, au sud par le bien Starbass, mm -hmm. euh, le cameraman. On a fait un, un premier contact. Du premier contact, c'était bien, tu vois, on a bien cerné qui était qui, tu vois, on a... parce que moi j'aimais bien déjà sa musique et lui connaissait vaguement ce qui se faisait au pays, tu vois, on va pas se voir la face. Mm -hmm. Donc après, lui, de son côté, il a bien adhéré au truc. Jours après, parce qu'on en parle un, on parle un jour, hein. deux jours après, on a fait le son studio en live. Une instru, une grosse prod de, de Reda Prince, remake d'une instru. Grosse prod, après ça, on a fait le son sur place. Deux jours après, le, le clip dans la foulée, ouais. deux jours après, il sort. <laughs> le tout trop... sur une semaine, comme si on a poussé son vendredi, <laughs> le clip est sorti jeudi, C'est en place, tu vois, la ça allait très, 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 très vite. Et ça a ça permis de faire la connexion entre les Antilles et, et Paname, tu vois. Mm, mm, mm. C'est une belle connexion. Il y en a de une deuxième côté. là qui arrive aussi avec 13 blocs, j'ai vu. Ouais, il ouais, y, a, y, a, y a ce qui arrive avec 13 blocs aussi. Que du, que du lourd, quoi. franchement. Et 13 blocs, c'est vous deux ou c'est toi solo Non, c'est nous deux. C'est nous, 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 nous deux, nous okay. Vous deux. J'ai dit nous deux. Ouais, 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 ouais. Je me suis senti dans le son. Vite <laughs> <laughs> aussi, vite aussi, tu vois c'est pareil pareil, position, pareil la connexion le visuel pour finir ça après à... on va voir ce qu'on balance ça mmh, mmh, mmh. la connexion c'est pas des trucs comme si on a c'est pas des productions, c'est pas des productions qui ont coulé les futurs mmh. c'est des où les artistes qui la vibe et qui fait le truc tu vois ça ça, ça ça se voit après échange. Mmh. après Toi... ça se voit hein, que le clip il soit fait dans dans, dans une salle de bain ou dans un truc tu vois ou bien tu vois même sans gros budget, ça se voit tout de suite quand, quand c'est un vrai festival. Ouais, il y a mmh. deux. Ouais, ouais, c'est pas un qui truc matché. Tu vois, voilà, voilà, ouais. voilà. En tout cas, je vous cache pas, vous avez un vrai univers, un vrai délire. Quand, quand, quand tu regardes les clips, etc., tu rentres dedans direct. Tu es, es limite à Atlanta, mon gars, ouais, quand tu regardes ouais. ça. Ouais. <laughs> Mais après, j'avoue, moi, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas trop parce que, comme j'ai toujours dit à certaines personnes, même à certains artistes en France, pour moi, Bled, c'est. Moi, je trouve Bled, c'est même plus qu'un que certains trucs ici, tu vois ce que je veux dire mmh ouais c'est parce qu'il y a les states c'est pas tu vois c'est pas trop truc mais même les beatmakers et tout frère la couleur elle est tu ouais tu sens c'est vraiment c'est chaud c'est la base après ouais c'est chaud la balle d'univers musical est beaucoup plus résue aussi les jeunes ils ont c'est soit tu t'identifies en mode dancehall vite fait tu vois mais maintenant c'est plus vraiment les jeunes ils s'identifient vraiment en trap mais quand ça trap ça trap musique, tu vois au moins dans l'univers rap on va on on met la trap la trap c'est un truc mais l'univers rap même tout le, monde un peu, tout le monde est plus ou moins dans ce, dans ce décor-là chez nous, hein, en Guadeloupe. Mm, 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 mm. Après dans les autres, îles, tu vois, ça change. Tu vas aller peut-être en Martinique, en Guyane, je ne sais pas comment. C'est un peu plus mélangé. Mais en Guadeloupe, c'est vraiment pur travail. Mais, 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 mais après, ce qui rajoute en plus-value aussi. Et je me disais, est-ce que c'est pas aussi le côté de la langue Tu vois, le créole. Mmh. Déjà, tu vois, quand tu parles le créole, c'est chanter un peu. Ouais, c'est comme ouais, l'anglais, ouais, ouais, tu ouais. vois. C'est un peu vif. Voilà, ça veut ouais, dire ouais. que quand tu trappes sur un beat, c'est ouais, plus que mélodieux, c'est ouais. plus. Pense que tu ça vois ce que je veux dire plus. ouais, ouais, ouais c'est vrai, ça, c'est vrai. C'est comme l'anglais et le français. Exactement, hein. un tu, un vois quand, tu vois. L'anglais, il va dire que le français. Il y a plus de mots, plus de conjugaisons, il y a c plus ça, de trucs à dire. Ça, mais, audiblement, tu vois, franchement, en anglais. C'est pas pareil, l'anglais, il glisse, tu, ça, voilà, voilà. Église, Même tu si vois. Même s'il racontes que de la merde en anglais, rah, 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 tu vois. Ouais, ça, ça donne directement direct, un truc. Peut-être en, ouais, en, en créole, ouais, c'est vrai. on a certains sons qu'on écoute dans certaines îles, tu vois, on va pas donner de nom parce qu'après, ils vont dire, on se fout de leur gueule. Mais on a certains sons qu'on écoute où ça, leur créole, il nous fait un petit peu rigoler, tu mmh, vois. Mmh, voilà, peut-être si c'est de cette façon-là que tu dis ça. En créole guadeloupéen, je trouve que ça accroche direct. Il y a un impact, il y a un truc. Vois, ouais, le cré, cœur, en, ouais. Cré, en créole le guadeloupéen, il y a des sons que j'écoutais trap. Franchement, après moi, je trouve que ouais, tu vois, il y a quand même une petite ressemblance, mm -hmm. tu vois, genre mm -hmm. la langue, tu vois, ça glisse, ça, tu vois ce que je veux dire. Mm -hmm. Vu que c'est mélodieux déjà, donc bon, c'est un bon package, tu vois, ça match. Moi, je représente la Guadeloupe à fond, de toute façon, c'est <coughs> ouais. les meilleurs les guadeloupéens de toute façon, que ce soit dans tout, euh, pas musique, tôt. sport. Je, 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 je te rejoins. Okay. <laughs> ah, les gars, vous voulez faire une union contre moi, là, les gars? <rire> <rire> ah, les gars, ah, les gars! <laughs> On est pas <laughs> mal aussi, hein. Non, calme. On est pas mal aussi, hein. <laughs> hein. Au stade, là, c'est, hein, ah ouais, Les c plus fous, là, bientôt. Là. <laughs> ah, gros, ah les plus gros states, hein. c'est les Haïtiens, mon gars. Ah, ouais, ah ouais c'est fou, là. Non. Tu vois déjà ai... Il aime trop parler de rien, comment il y a un sourire. Non, moi, c'est ah. calme, moi, tu connais, mais moi, je sais que. Non, 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 respect, respect. Même respect, si, non, si je suis pas. Ça, c'est un autre sujet, ça, ça n'a rien à voir. Haïti, respect pour Haïti, déjà. Ouais. c'est la base. Depuis le début de l'histoire, tu C'est la base, Haïti. Non, après, on parle en termes de musique. Tu vois? Non, c'est vrai quand tu en, termes en termes de mise au de de niveau. De Trap ouais, au niveau de la Caraïbe, ouais. Yeah. Moi, je te Tabou Combo, tout ça. Moi, je te cache pas, même carrément à l'époque de l'époque, je me tue au son de Chien Larry. Mm. Chien Larry, Walton. Mm. Genre, Gamby. je m'appelle plus, c'était Gambi, tout ça. Et le, le son, c'était Jeunesse. Je sais pas si vous ouais, connaissez le son. Voilà. Ça veut dire, je me tuais à ça et en fait c'est ça vraiment qu'a commencé à faire aussi, tu vois les clips et en fait commence à regarder vraiment là d'ailleurs là ouais je sais ouais fort 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 force à eux et en fait c'est là où vraiment j'ai commencé, parce qu'en fait eux ils ont des cousins des mecs c'est les mecs de chez moi et là je commence à regarder le truc comme ça je dis putain mais au bled en Guadeloupe en vrai ça bouge et c'est là vraiment où je commence à regarder comme je te dis j'ai commencé à analyser ce trap game là bas je voyais déjà eux ça posait le flow ça se baladait J'écoute les instrus, je dis c'est quoi Est-ce qu'ils prennent des instrus sur ah, Internet bébé, On me dit non, ouais, c'est des, des, des beatmakers de la Guadeloupe. Ouais. Je dis mais non, mais là-bas, c'est trop chaud. Ça bouge vrai. trop, tu vois. Ça bouge trop. Donc franchement, force au trappeur euh, Guada, tu vois. Et, et en, par en parlant de la Guadeloupe, j'ai un concept, euh, je l'ai appelé la partie Guada, avec mon gars Eymal Ours qui va vous poser des questions là. Tu as préparé un petit questionnaire spécial Guada? <laughs> non, pas de trucs bizarres, parce que je pas je dis un truc. Enfin, genre, moi, à chaque fois, on m'associe à des trucs bizarres, je sais pas pourquoi. Parce que les gens, ils te connaissent. Ah ouais. Tu en non, va va même, sérieux, te rends compte dire, même eux au bled, ils te connaissent. Ah ouais. <laughs> même eux au bled, ils te connaissent. vas-y, je te mets le truc. Donc, c'est hey, Aim à l'ours. Yes. Tu m'as menacé là, tu m'as dit, Aimez-moi le truc là. <laughs> les gars, je peux pas vous demander comment vous allez, car hein, vous êtes bien. Ouais, ça va. Tranquille. Alors non, on va rester local, local, vraiment des questions sur la Guadeloupe. Mmh. C'est le carnaval en ce moment. Ouais. Pour les gens qui sont ici, qui ne connaissent pas comment ça se passe en Guadeloupe, est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça se passe là-bas À quel niveau À tous les niveaux. <rire> bon, <rire> bon non, mais <laughs> au je... niveau festif ou bien niveau... Euh... C'est quoi l'autre niveau quoi Non, mais le carnaval aussi, c'est le moment de, Je sais pas, des... Moi, je donne, ça, moi, je, moi, je donc, je te donne ma ça façon de... faire, ma façon de... Ma vision des choses du carnaval. Il y a des gens qui se déguisent. Il y a des jeunes qui font des cordes avec des fouettes, tu vois, c'est assez festif. Ouais. Tu sors avec ta famille, tu vas manger un beau kit, tu vas boire une bière, boire un jus, au calme. Mais en dehors de ça, il y a l'envers y a, y a, y a du décor aussi, où il y en a qui profitent quand c'est le carnaval, pour foutre le zbeul un peu, tu vois, Mais pour braquer, pour faire des bêtises. Vous pensez pourquoi ça arrive à ce moment-là, là-bas, ces histoires de braquage pendant le carnaval Parce que les gens sont dehors, il y a plus de foule dehors, dans les rues, tu vois. Ouais, il de y a plus de foule, il y a, ouais. a moins de sécurité. Le moment de voir tout le, le monde. Il aussi. fait noir, les chats sont gris. C'est vrai, c'est le, <laughs> le, le moment de voir tout le monde. Tu vois tout le monde. Il y a du bruit, il y a des trucs, mais c'est le moment de voir tout le monde. Mais il on aurait dit des coups de feu, c'est-à-dire tu tires un coup de feu, c'est un sait à pas ouais, que ouais, Parce qu'il y, y a des fouets, hein, tu tu on Je vous pose cette question parce que. Moi, je ne suis pas très carnaval, je ne vais pas te mentir. Il y a deux jours, il y a une dame qui m'a dit ouais carnaval, c'est fait à diable. Ouais, aussi, il y en a qui disent ça et tout, mais tu vois, mais en fait il y a beaucoup c'est vrai qu'il y a beaucoup dès qu'il y a la peur du carnaval surtout en Guadeloupe je sais que la Martinique à ce niveau là ils sont beaucoup moins tu vois moins dans les badness dans ce euh, que à scandale et tout mais en Guadeloupe je sais que vraiment euh, depuis comment je suis psy, il y a toujours des représailles il y a toujours des Un problème. enfin enfin il y a toujours des morts dans le carnaval ouais, tu c vois ça c'est triste Ouais, c'est triste, triste hein, mais tu vois en contrepartie tu vois tu vas venir euh, c'est pas comme si je dis aux vacances de, de de pas aller au carnaval hein tu vas venir tu pas dans des histoires des trucs c'est des règlements de compte oui. voilà c'est comme oui. ça que ça oui, s'appelle des règlements sa case, de compte c'est pas comme si forcément toi tu vas venir euh, en France ouais, et on va, va t'attaquer hum. c'est des règlements de compte là-bas là mais sinon après ça le carnaval c'est festif c'est bien c'est coloré c'est haut, haut en couleur et ouais. comme il fait chaud <laughs> ah ben, <voilà. rire> cool, cool. eh ben oui. voilà et <laughs> eh ben voilà mais ça allait revenir aussi un peu à la deuxième question c'est que nous de la métropole moi j'ai vécu en Guadeloupe Disons, mmh. mais depuis que je suis ici, j'entends beaucoup de choses sur la Guadeloupe, les meurtres, les filles faciles, la drogue, etc. Et vrai, hein. toi, tu viens de Bergevin, mmh. toi, tu viens de Grand-Camp, donc on peut dire que c'est aussi des, un peu des zones à risque là-bas. Mmh. Vous de là-bas, vous voyez ça Des zones à risque beaucoup même. Comment Des zones à risque beaucoup même. Vous voyez ça comment de là-bas, toute cette violence Toutes ces histoires C'est des trucs inutiles, tu vois. donc Déjà, ceux qui nous connaissent, ils savent, on n'est pas dans ces trucs-là, tu vois. On est des gens, on parle avec tout le monde, on est bien avec tout le monde. En Guadeloupe, il y a des trucs de gang, des trucs de couleur. Nous, on n'est pas dans ça, tu vois. C'est une collaboration avec tel artiste X, Y, Z, on s'en fout. On le fait, tu vois. Donc déjà, de ça, on est déjà mal vu par certains guadeloupéens, tu vois. Ouais. Et euh, pff, les gens, ils font leur truc, nous, on fait nos trucs. Hein? Moi, je m'en fous. Moi. De ce que les gens pensent, tu vois, ou de ce que les gens font. Moi, je fais mes affaires et puis tranquille. Hein? Ouais, bien Après, sûr. la violence, elle est là, ça, c'est clair. Il y a la drogue, il y a la violence, il y a le manque d'argent. Les gens, sont à la rue, il n'y a, a pas de condition. qui fait que ça fait un mélange, tu vois, ça explose. Mais dès que toi, t'as trouvé, comme on dit chez nous, dès que t'as rangé ton lit, ouais. tu sais comment tu vas te coucher ce soir, tu vois C'est dire, moi, tranquille, moi. Ça, moi, j'ai as sur mes arrières, j'ai une longueur d'avance. Hein. Pour leur faire comprendre que oui, il y a ça là-bas, mais il n'y a pas que ça aussi. Ah, mais il y a beaucoup ça Il ah, y a beaucoup ça, <laughs> ah, c'est ça là-bas, ah, il n'y a, a pas grand-chose. Hein. Mais ouais. c'est ouf, parce que, a pas pas grand chose, parce là, que moi. tu vois, moi, quand j'étais petit... Tu vois, à la base, moi, avant, avant d'être dans le milieu hip-hop, j'étais grave dans le milieu caribéen. Mm. Mais avant, j'avais pas l'impression que c'était comme ça là-bas. Tu vois, non, même pas je, comme connais, ça avant. Genre, je connais des gens de, de là-bas du pays et mm. tout. Non, non, tu vois, j'avais pas l'impression que ce soit comme ça, tu vois. Mm. Et là, comme tu dis, ces dernières années, je vois, il y a des histoires de gangs, de trucs. Je me dis, mais c'est vraiment les tu vois. Mm. C'est vraiment. Euh... Ah, ben bah ouais, c'est les states, vraiment. La vie noire, ça part en couille. Déjà, quand tu regardes les stats là, niveau homicide par an. Ça fait pire qu'à Marseille, ça fait pire que des endroits où il y a plus de population, même dans certaines villes. Tu vois, il y a des endroits où il y a des millions d'habitants, ils ne font pas aussi autant de, 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 de morts et tout, tu vois, qu'en Guadeloupe. Et, et vous Après, pensez comment ça peut changer tout ça là-bas Ça ne peut pas changer, tu vois. C'est le pouvoir d'achat, en fin de compte. Mmh. Moi, je dis, c'est ça le problème. cest dire les gens, ils veulent de belles choses, ils veulent s'en sortir, mais il n'y a pas. Donc, au bout d'un moment, il faut le prendre. Tu vois, il y en a, ils choisissent des vieilles solutions. Mais c'est ça, il n'y a pas 10 000 alternatives, hein, moi, je dis. Hein. c'est pas en allant travailler que tu vas devenir riche. Et là-bas, tout est cher. Donc Tu vois? Ouais. Par contre, on m'a dit au, euh, ouais. en, en, en Guadeloupe, c'est grave cher. Franchement, on m'a dit, on m'a sorti des prix. J'ai pété les plombs ah, parce que ça reste. C'est pour ça qu'il y avait eu la grève là. En 2009. Ouais. Tu vois? C'est pour ça qu'il y avait eu la grève. Tout est cher là-bas. Des yaourts, au truc, frère. Tu vois, même les brosses à dents, même les trucs comme ça, c'est cher. Il dit genre des trucs, genre style nutella, des pots de nutella, ouais, des, ouais, euh, des prix, ouais, tu ouais, peux ouais, les Fort ouais, Alors ouais, qu'ici, ouais. c'est Les galettes que tu achètes ouais. ici à 1€, c'est pas centimes mon gars. 3 euros là-bas, frère. C'est <laughs> bah, ouais. ouais. ouf. Bon. Bien sûr, ma gueule. Et tout le monde veut manger ça, t'imagines ouais. Alors bon. les faibles, là, c'est obligé que les faibles, après, il euh, y a des dommages collatéraux. Hein. Et tout ça, c'est décidé depuis en haut. Ceux qui font les prix, tu vois, des articles. Après, quand toi, t'as pas l'argent pour l'acheter, tu t'en prends un plus faible. Mais eux là-haut, ils s'en foutent. Donc, pour changer ça, moi, c'est les dirigeants qu'il faut, faut faire sauter, faut faut il faut faire un truc. Parce oui. que c'était aussi de plus en plus, en fait, surtout ici en métropole, mais je trouve qu'il y en a de plus en plus qui rentrent au bled. On mmh. voit des jeunes entrepreneurs qui essaient de monter des boîtes ouais, entre ouais. eux, qui essaient mmh. de comment dire, mettre la Guadeloupe en avant. Pas que la Guadeloupe, mmh. la Martinique, tout, ouais, bien sûr, tous bien les DOM, en fait. Vous, quel message vous. Vous avez pour ces jeunes qui essayent de faire un, quelque chose pour leur pays. Moi, Parce que moi, je pense pas que ce soit impossible. Oui, c'est un peu possible. Mais après, il faut de la patience. Il faut avoir vraiment, euh, vraiment l'envie de le faire aussi, tu vois. Parce que pour dire que tu vas aller en Guadeloupe, investir sur ton pays, investir pour tes frères et que derrière ça, il y a peut-être quelques pourcents des gens qui vont être avec toi à fond, ils seront plus là pour t'entuber, tu vois. Ça ne date pas d'hier. Les gens, ils ne sont, ils sont pas vraiment avec toi, tu vois. Ils sont là pour ce que ça va rapporter. Donc, pour trouver vraiment des gens qui, qui croient avec toi, tu vois, c'est un travail de longue haleine. Mais moi, je dis, ça vaut le coup. Il y a de quoi faire aux Antilles, tu vois. Il y a vraiment de quoi faire. Ceux qui quittent <coughs> l'univers de, de, de la violence, de la drogue, de, de tout ça là-bas, des ghettos, ils viennent en France faire un an, deux ans, ils ouvrent leur esprit un petit peu, ils reviennent, avec, ils reviennent en Guadeloupe avec des supers idées. C'est eux demain qui sont amenés à ouvrir des, des trucs de location de voitures tout simple. Des trucs de jet ski, des trucs, tu vois, il y a plein de gars qui essaient de s'en sortir. Ouais, bien sûr. Mais il aurait fallu ouvrir son esprit ailleurs, de quitter un peu, tu vois, le côté un peu glauque, un peu, tu vois. Et pour finir, si demain, tu vous rencontres une personne qui n'a jamais vu la Guadeloupe, qui n'en a jamais entendu parler, et cette personne vous demande qu'est-ce que la Guadeloupe, comment c'est, qu'est-ce que vous allez lui dire Bonne question, hein, franchement. Je vais lui dire quoi, moi Je vais lui dire que la Guadeloupe, il fait chaud, il y a les plages, tu vas kiffer. Tout simplement, je vais lui vendre du rêve. Je vais lui vendre du rêve. Moi, je te cache pas, moi, j'ai eu deux messages. J'ai eu deux messages. J'ai eu un premier message, c'était comme tu as dit. Genre, jusqu'à on m'a montré des trucs, des eaux turquoise, des trucs de ouf. Carrément, tu dis ouais. Et justement, on me montrait ce côté-là pour dire qu'il n'y a pas que le route, tu vois, que la street. Et le deuxième message, c'est. Attention. Fais attention. Ah oui, fais très très attention. Fais très très attention. En plus, si toi, tu viens en mode, tu vois, parce que nous on a grandi dans un quartier, ouais, vois, nous ouais, on a des codes, ouais, c'est nous, on est dans ouais, les trucs ouais, de. Ouais, 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 Mais ouais. comment ça, tu vois, nanana, Nana, ah ouais. Mon gars, si t'es là-bas même avec une meuf, ah ouais. sache qu'on peut venir draguer ta meuf devant toi et parle ouais, pas. ça c'est vrai. Ça, tu ça, vois ce que ça, je veux ça, dire ça, vrai. <laughs> Donc Ça veut dire ça, que. J'avoue. Ils sont toujours dans un test, un perpétuel test, tu vois. Ah ben, c'est le test. Dommage, franchement, ça, c est... C est... ça je trouve plus, ça est dommage. C'est juste ça. Mais c'est ça en même temps. C'est pour ça que les mentalités sont comme ça. C'est un peu enfermé. Quand mm -hmm. mm -hmm. les gens, ils vont pas. Il y en a, voilà. ils sont jamais... Il y en, a en Guadeloupe, ils ne sont jamais allés en Europe, tu vois. Ils n'ont jamais vu comment ça se passe. Ils n'ont jamais quitté après la Quand tu en Guadeloupe, mais... même nous, quand on redescend en Guadeloupe, on reste six mois, un an, tu as l'impression que tu le sens du monde, quoi. Tu as mm -hmm. l'impression que ta musique ou bien ce que tu fais, c'est. Or que quand tu vas en Europe, après, tu vois que. Voilà quoi. C'est normal. Il y a, il y a de la... Tout le monde fonctionne. Ouais, c'est large. C'est ouais. large le mais monde. On voit que l'Europe, c'est une ouais. C'est déjà tout petit dans le ouais, monde. C'est petit, ouais. La c'est large, tu vois, mon gars. Il y a des trucs à faire. Il y, y, y a plein de trucs à conquérir, ouais, tu voilà, vois. Il y, y a plein, plein de, de pièces hein. du puzzle. Le puzzle Ton truc, c'est quoi Tu vas avoir une maison, une voiture, une femme. tu vois C'est ça le rêve de tout le monde, tu vois. mais En vrai, on n'est pas vraiment sur des. Quand tu es là-bas, tu n'es pas vraiment sur des projets à long terme. Tu sais pas si tu veux. Tu n'es pas forcément en mode toucher. Le monde entier, mmh. tu vois. Si c'était pressé à, à notre niveau, au niveau du son, tu vois, a, une fois qu'on aurait fait peut-être, je sais pas, 200 000, 300 000 vues, on aurait déjà été content. C'est la Guadeloupe, tu vois. Ouais, genre tout le monde te connaît t'es bien déjà. Voilà, tu vois. On va plus loin 400 000 habitants, on voit 2, 3, 4, 10 millions, 20 millions, tu mmh. vois, nous, ce qu'on veut comme qu vues. On veut pas, ça ne nous intéresse pas, même un million, il n'y a pas assez. Mmh. alors. Il ah, faut viser le toujours. En tout, cas, en tout cas, les gars, je vous le souhaite et vous êtes bien partis pour. Okay. Et ça fait plaisir. Et force à vous, est-ce que vous avez un dernier mot que vous voulez rajouter euh, Non, en tout cas, ça fait plaisir à toi déjà. Tu nous as invités, ça fait plaisir, les toi aussi, je connaissais pas, mais ça va. es un mec bien. Gros, dis-toi si lui il est bien, moi je suis bien. Après, on est bien avec les mecs bien, tu vois. Il n'y a pas de souci. N'importe quel jour, vous voulez venir aux Antilles, vous venez. Il n'y a pas de galère. On passe vous check, on va vous faire découvrir et tout. Il n'y a pas de galère. Merci à vous surtout. Il ne faut pas toute la famille ici aussi, pendant qu'on est là. Anam aussi, Guadeloupe. up au 13 bloc aussi, ils nous ont donné la seule fois aussi. CB. Toute la bande, c'est barbare. C'est tout. C'est toute cette génération-là qui monte aussi. Et je pense que ça va percer assez fort. Hein. Mmh. Donc, nous, on, prend, on est là, on est dans le wagon aussi. Yes. En tout voilà. cas, moi, voilà. grosse force à vous, les gars, parce que ça se voit que vous êtes real. Yeah. <laughs> tu des vois, adapté ça, se ça se voit que vous êtes real. Donc, euh, restez vrai et t'inquiète pas, <laughs> ça va <m> payer. <laughs> Si c'est nous on peut redonner goût aux gens, même si les saints sont hardcore, de venir à Guadeloupe, même hein, c'est pour nous voir, vas-y, venez Merci les gens. Hein, ouais, venez, venez, venez. Mec. Je ne vais pas vous mentir, je regarde les clips, je vois tout le temps vos clips, ça ah donne là. un de problème. Ouais. Mais même si t'as vu, même si l'ambiance n'est pas tout le temps, c'est pas l'outil au quoi c'est dans nos clips. Hein. Ah ouais, bien sûr, c'est pas ça, hein, <laughs> en fait, c'est un feu béton, hein. <laughs> C'est un feu béton. Hein. <rire> <fait> <rire> un <le> béton hein. <laughs> on n'aime pas de plage à côté de la On n'a pas de plage chez nous, nous c'est... C'est la street. On on va même pas à la plage, Non, parfois, on ne va même pas à la plage. Moi c'est là, c'est à gauche. Mais bon. En ouais, Il... tout cas, mer les mecs. Hein. Yes. Y'a pas de soucis. Force à vous. Nice.